Je pourrais peut-être ouvrir cette fenêtre pour me débarrasser du combustible de la bombe. Ces attaches sont en bois, pas très résistants. Aide-moi à la sortir. Ok, tout en force, je sais faire. Ça fera quoi? Ça sauvera la ville, j'espère. Mais quand la flambée tombera, prends la fuite. Parce qu'à cause du piège, la bombe au rez-de-chaussée va être amorcée. Et, on va survivre? Je pense pas. On pousse. On l'a fait. Le plan de Derval est déjoué. Et Méridian sauvé. C'est pas terminé. Derval voulait absolument qu'Avad y assiste. Impossible. Il faudrait qu'il entre dans le palais. Il est trop bien gardé. Retourne-y, on sait jamais. Je vais fouiller les lieux. Les hommes de Derval ont peut-être laissé des traces en posant la bombe. Ça marche. T'inquiète pas. S'il tente d'entrer dans le palais, il est mort. Des empreintes de pas, avec de la flambée. Puis-je vous proposer une part raisonnable? Rejoignez l'incendie et faites passer les seaux! Achète ce dont tu as besoin. Qu'est-il arrivé? Je n'avais pas entendu une telle explosion depuis la Discutons libération. Discutons un peu. Allez, une discussion colorée. De la soldats attendent leurs ordres de la Messa. Est-ce qu'on nous attaque? Les traces mènent à l'intérieur. Une autre cachette de Derval? C'est sûrement là que Derval a fabriqué le détonateur. Oh non! Il a détruit le mur! Derval a bien trouvé un moyen de pénétrer dans le palais. J'aimerais bien être là-bas pour vous. Ça se gardera. Ah, mon cher Avad. Le petit avorton frétillant d'un roi dément. Tu m'as volé le droit d'abattre ton père. Alors je me contenterai de toi. Je vais me délecter de voir brûler les Karja, mais le mieux...
c'est que tu regarderas le spectacle avec moi. Fais tes adieux à Méridian, Avad. Respire la fumée et étouffe-toi des cendres. Ça ne marche pas. Je n'ai rien entendu. Il y a un peu de fumée vers le bord de la Mesa. Non, ça devait être un incendie, pas une flammèche de feu de cheminée. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est toi, la Nora, qui a piégé mon camp, non ? Et neutralisé ta bombe. Tiens donc. Eh bien, bombe ou pas, je vais éclabousser ce trône de sang. Le tien, d'abord, puis celui d'Avad. J'ai repéré quelque chose. Pourquoi Avad en doit toujours vivre ? N'arrête pas ! J'ai dirigé une armée, abattu des busards et des ravageurs, alors une vulgaire sauvage. On peut se dépêcher, j'ai un dieu de paix. Mieux là au pied. Pourquoi Avad envoie toujours des dames vers le salon ? C'est pas encore terminé, Nora. Tout bon artisan au Céram te le dira. Il faut toujours avoir trois plans.